Salut les numismates et bienvenue sur Super Euro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Aujourd'hui, on continue d'explorer les 2 euros commémoratives de l'année 2005 avec la première pièce de l'Autriche qui célèbre le 50e anniversaire du traité d'État autrichien. Signé donc en 1955, le traité d'État autrichien marque un tournant dans l'histoire du pays. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter un peu dans le temps. Puissance européenne de l'Europe centrale, l'Autriche que nous connaissons aujourd'hui est issue du démembrement de l'Empire d'Autriche-Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale. Cependant, la Première République d'Autriche est rattachée à l'Allemagne nazie en 1938. En effet, à l'époque, Adolf Hitler souhaite intégrer au Troisième Reich tous les territoires germanophones. L'Autriche disparaît donc alors en tant que pays lors de cette annexion, que l'on nomme Anschluss. Après la victoire des Alliés, le pays est, comme son voisin allemand, divisé et occupé par les quatre vainqueurs du conflit : États-Unis, URSS, Royaume-Uni et France. Cette occupation ne sera terminée qu'en 1955 avec la signature du traité d'État autrichien à Vienne par les représentants des quatre pays alliés et le gouvernement autrichien. Signé le 15 mai, le traité entre en vigueur en juillet, avant le retrait des forces d'occupation le 25 octobre de la même année. Finalement, l'Autriche adopte dans sa constitution la neutralité perpétuelle du pays le 26 octobre 1955, qui deviendra le jour de la fête nationale. Par la suite, l'Autriche sera donc un pays neutre dans tous les conflits, à commencer par la guerre froide, alors qu'elle se trouve en plein cœur de l'Europe, coupée en deux par le rideau de fer. L'Allemagne n'aura pas cette chance, comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo publiée sur la chaîne Super Euro à propos de ses faces nationales. Découvrons maintenant le visuel de cette 2 euros commémorative. Très chargée, la gravure de Helmut Andexlinger reprend les différentes signatures du traité d'État autrichien telles qu'elles apparaissent sur le document historique. On compte ainsi 9 signatures, chacune accompagnée d'un cachet. Pour ces derniers, j'ai malheureusement manqué de documentation et les informations sont à prendre au conditionnel. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Pour l'URSS, tout d'abord, la signature de Vyacheslav Molotov, alors ministre des Affaires étrangères, qui a donné son nom au célèbre cocktail. En dessous, la signature d'Ivan Ilyitchev, ambassadeur plénipotentiaire du RSS en Autriche occupée. Il semble avoir le même sceau, qui serait celui de l'URSS de l'époque. Viennent ensuite Harold Macmillan, secrétaire d'État des Affaires étrangères et du Commonwealth, et Geoffrey Wallinger, haut-commissaire pour le Royaume-Uni. Difficile d'identifier les blasons qui les accompagnent. Ils sont sans doute personnels et non pas ceux officiels du Royaume-Uni. À droite, on trouve tout d'abord les signatures des représentants américains. John Foster Dulles, à côté du sceau qui porte simplement ses initiales, secrétaire d'État des États-Unis. Juste en dessous, Llewellyn Thompson, ambassadeur des États-Unis en Autriche. Son sceau semble être le grand sceau des États-Unis avec le fameux pigargue à tête blanche. Dernier pays allié présent en Autriche, la France est représentée par Antoine Pinet, ministre des Affaires étrangères, dont le sceau semble figurer ses initiales entremêlées. Et Roger Lalouette, haut-commissaire, sans doute lui aussi accompagné par un blason personnel. Enfin, pour l'Autriche, on trouve la signature de Léopold Figl, ministre des Affaires étrangères. Le cachet de cire porte ses initiales entremêlées. Le long du cœur, on trouve, en allemand, l'inscription « 50 ans du traité d'État », le thème de cette 2 euros commémorative. Le millésime de la pièce, 2005, apparaît en bas du cœur. Le fond est constitué du drapeau autrichien, représenté selon les conventions héraldiques. 2 séries de hachures verticales pour le rouge et pas de hachures pour le blanc. Les couleurs sont figurées de la même façon sur les euros courants autrichiens et certaines pièces françaises, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la face nationale de la France. Je vous invite à la regarder pour en savoir plus. Sur la couronne de cette 2 euros, pas de surprise, on retrouve les habituelles 12 étoiles de l'Union européenne. Frappée par l'atelier de Vienne, cette pièce ne comporte pas de différent de frappe. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros. Il s'agit ici de la première carte. La tranche est gravée, comme pour la 2 euros nationale, de l'inscription 2 euros, suivie de 3 étoiles. Le tout répété 4 fois, alternativement en haut et en bas. Pour sa première 2 euros commémorative, l'Autriche a frappé 7 millions de pièces. La version non circulée se trouve pour environ 7 euros. Il existe une version BU, disponible avec la série annuelle, tirée à 100 000 exemplaires, et une version Belle Épreuve, également avec la série annuelle, tirée elle, à 20 000 exemplaires. Il semble également exister un tirage de 2 000 exemplaires en enveloppe philatélique numismatique, qui comprend donc la pièce et un timbre commémoratif.
C'est tout pour la 2€ Autriche 2005. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles commémoratives et bien plus encore sur la chaîne Super Euro. Abonnez-vous pour ne rien rater et laissez un petit pouce bleu. Très bonne collection à tous.